Et bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode sur Fallout 4. Donc ça y est, nous avions tué les pillards, on avait ramené la bonne parole. Et qu'est-ce qu'il me dit lui? On peut le buter ça? Je te bute. Oh, il passe en mode vénère. Alors coup critique. Il s'est barré. Vue FPS. Oh, te casse pas. Bon, il se casse. Pas grave. Qu'est-ce qu'on a là? On a un champignon là, j'irai. On l'a peut-être déjà pris. On retourne au sanctuaire. On est toujours en mode combat. Ah putain! Il a pas aimé! Tiens, dans ta gueule! Super. Je suis un tireur d'élite hors pair. Bon ben merci Codsworth. Vas-y, on te prend les trucs. Voilà. Ouais, je suis un peu un méchant. Je suis un peu un méchant. On peut pas y aller plus rapidement en faisant un bond. Ah, voyage rapide, très bien, ça c'est une très bonne nouvelle. Oh, il lui a fait mal. Les attaques réussies en mode SVAV remplissent votre jauge de coups critiques. Lorsque cette dernière est pleine, vous pouvez déclencher une attaque dévastatrice. Ah d'accord. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Allez, c'est quand tu veux. Ah, on arrive là. Et du coup, c'est la journée. Ah bah, très bien. Alors, t'es où? T'es où, mec? Ailleurs. Content de voir le soleil se lever un jour de plus. Oui? Bonne nouvelle. La colonie que je viens d'aider a décidé de se rallier aux miliciens. Alors ça, ça fait plaisir. Je savais que j'avais bien fait de vous confier cette mission. Au fait, écoute. Vous devriez prendre un de ces pistolets lance-fusées. Il vous permettra de demander un coup de main aux miliciens à proximité. Il ne sera pas très utile dans un premier temps. Mais plus vous rallierez de colonies, plus vous pourrez obtenir d'aide. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Vous savez déjà que je suis l'un des derniers miliciens. Mais je ne vous ai jamais vraiment raconté ce qui nous était arrivé. Le dernier milicien? Vraiment le dernier milicien? Peut-être pas littéralement. Il doit y avoir un paquet d'anciens miliciens qui ont tout laissé tomber après le massacre de Quincy. Mais on était le dernier groupe actif de miliciens. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus que moi. Le massacre de Quincy. Je croyais que tout le monde dans le Commonwealth connaissait cette histoire. J'étais dans le groupe du colonel Hollis. Une bande de mercenaires, les artilleurs, avaient attaqué Quincy. Les habitants avaient appelé les miliciens à la rescousse. On a été les seuls à venir. Les autres groupes, ils ont tourné le dos à leurs compagnons. Oh, c'est on pas trop été pas bien. À sortir. Le colonel Hollis y est resté. Alors j'ai dû prendre les survivants en charge. On n'a jamais trouvé d'endroit sûr où s'établir. On a enchaîné les désastres. Vous avez bien vu comment ça a fini à Concorde. Le massacre de Quincy. Courage. Vous ne baisserez pas les bras. Les miliciens auront de l'espoir. Je ne vais pas baisser les bras, mais je ne peux pas protéger le Commonwealth tout seul. J'ai déjà eu du mal à protéger ces gens. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Bah, on je fait ne tout. Peux pas rebâtir les miliciens. Mais vous le pouvez peut-être. Merci. Vous ne pouvez pas diriger les miliciens, vous? Non, je ne suis pas fait pour ça. Ouais, mais t'as ça raison. Ne suffira pas à faire renaître. Il nous faut quelqu'un qui soit capable de rallier tout le Commonwealth à une cause. Monsieur Garvey a raison, monsieur. Si quelqu'un peut... Oh putain, toi, je vais te laisser là, espèce d'enfoiré. Pourquoi moi? Qui vous fait croire que j'en suis capable? Vous nous avez sauvés à Concorde, alors que ce n'était pas votre combat. Vous aviez vos propres problèmes,
mais vous avez quand même agi. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ce genre de preuve d'altruisme dans le coin. Super plan, les mecs, hein. Vous êtes au tip-top. Oui. D'accord. Excellente décision, monsieur. C'est un grand pas dans la bonne direction pour la première étape. Parfait. Succès déverrouillé. Et nous sommes admirés par Cotsworth, cet espèce de salope. Ne vous en faites pas. Preston Garvey est disponible pour vous accompagner. Ah, je préférais peut-être un mec, en fait. Sacrée promotion. C'est une sacrée promotion que vous m'accordez. Le leader des miliciens a toujours porté le grade de général. Notre dernier chef était le général Baker. À sa mort, en 82, tout le monde s'est disputé pour choisir son successeur. Bah, pour l'instant, on n'est que deux. Hein, donc, c'est qu'il n'y a plus personne pour m'empêcher. Et tu seras mon capitaine. Bien plus qu'un simple titre. T'as raison. Une colonie est menacée par des pillards. Ok, superbe plan du général. Et oui, on est dans voilà, l'expectatif. Allez voir ce que les gens veulent. Ce serait un problème de pillard, station Berland. Encore des pillards à buter. Je veux le prendre, lui. Je peux te prendre. Je peux faire quelque chose pour vous. Suivez-moi. Venez avec moi. J'ai besoin de votre aide. À vos ordres, mon général. Je crois que ces gens peuvent se débrouiller sans nous maintenant. Et c'est grâce à vous. Ouais, je préfère lui. Ouais, toi ta gueule. Oh putain, j'ai vu épingle à cheveux. Ouh, envoyer Cotsworth. Ah, il protège. Ah, je vais l'envoyer. Je vais le. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je vais filer plein de merde à la rigueur. On va attendre un peu. J'aurais que tu me refiles ta merde. Hey, Cotsworth. Puis-je vous accompagner, monsieur ? Non, je veux juste échanger. Échanger des objets. Bien sûr. Voilà. Tout prendre. Je suis en surpoids. Ah, mais je vais tout transformer. Allez, on va tout transformer. Donc, bye. Inventaire. Enfin, peut-être pas tout, mais... Qu'est-ce qui m'emmerde? Qu'est-ce qui m'emmerde? Ça m'emmerde. Ah non. Je vais faire jeter et jeter. Voilà. En fait, même, je veux le garde à portée. Ça, je me le vire. Les mines, je préfère les grenades aux mines. Minigun, mitraillette, pistolet lance-fusée, ok. Revolver de fortune. Oh, pas mal. Eh, il est pas mal celui-là. Ok. Ça, je vais me le virer. Mousquet laser, putain, j'en ai plein. Je vais me garder, peut-être j'aurai besoin de caps. Arme de fortune, pistolet. Ok. Donc là... non, c'est pas là. Tenue. Plastron en cuir. C'est pas mieux. Donc je vais en convertir quelques-uns. Ah, ça, c'est les soins. D'accord. Ah, merde. Merde, ça me fout de la radiation. Saloperie. Figurine... Ah putain, ça a de la valeur. Bric-à-brac. Ah voilà. Jeter. 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 Jeter, 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 jeter. Je me jette toute cette merde. Ah, je sais pas si je fais de la merde, mais c'est pas grave. Voilà. Mode munition. Ok. Ah merde, faut que je me retape tout ça. mes couilles, vas-y, mes couilles. J'ai entendu pas mal de choses sur le réseau. Putain, mais il y a des bestioles là. Oh putain, Cotsworth, c'est tentant. Bon, ce flingue me casse les doigts de pied. Donc je vais prendre
Le fusil, c'était très bien, en fait. Moi, le fusil me va bien, en fait. Allez. On fonce. J'aurais dû parler, en fait, au mec qui marchait devant. Je pense qu'il était plus important. Ici, là. Je suis passé devant des trucs. Fruits mutants sauvages, vas-y. On peut toujours servir, on sait jamais. J'ai bien ma mission qui est sur la carte. Ouais. Y a quelqu'un ici? Ferme des Abernathy. Ah bah je prends un niveau, bah je prends, vas-y je prends le niveau. Ah, est-ce que je peux m'augmenter ça? Niveau 18, oh putain. D'accord, c'est pas pour tout de suite. Ça veut dire à convaincre, à persuader vos interlocuteurs et à payer le prix que vous voulez. Agilité. Et vos capacités, vas-y, je vais m'augmenter l'agilité. Voilà. Et le petit chat, ah bah alors. Eh, bonjour. Vous n'êtes pas du coin, ici? Si vous avez quelque chose d'intéressant à troquer, vous pouvez vous adresser à moi. Peut-être. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Ah, voilà. Cargaison d'engrais, de bois, ah non, ça je m'en fous. Je suis blindax déjà. Ah, épingle à cheveux, vas-y, je vais toujours en prendre. On a toujours besoin d'épingle à cheveux. Arme à verrou de fortune. D'accord. X. Ok. C'est bon. Putain, t'avais que dalle, ma peau vieille. Hey, Blake. Arrêtez-vous là. On est des gens paisibles et on veut pas d'ennuis. Rien mais à craindre. Vous inquiétez pas. Je ne veux pas d'ennuis non plus. Ouais. Mais attention, on est armés. Alors pas de coups fourrés. Croyez-moi, l'agriculture, c'est pas de tourpeau. Dans les champs, tous les jours, du matin au soir. Sans compter qu'il faut constamment avoir des yeux derrière la tête. Que cultivez-vous? Jusqu'ici, surtout des pommates, mais on va se mettre au melon. Blake Abernathy, c'est la première fois que vous venez dans le Commonwealth? Ouais, en quelque sorte. Et non, c'est une longue histoire. En tout cas, ça fait plaisir de voir une nouvelle tête. Et vous? Ça vous dit rien de travailler la terre? Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une ferme? Mon père vous aurait parlé de ces trois T. Terre, travail, tendresse. Il faut du terrain, il faut passer ses journées à trimer dessus, et il faut aimer ça. Ceux qui n'aiment pas ça ne font pas de vieux os. Un petit conseil, si vous montez une ferme, attendez-vous à avoir affaire aux pillards. Pourquoi se crever toute la journée quand il suffit de pointer son flingue et de se servir, hein? Oui, il y en a qui connaissent ça, hein. Je déteste les pillards. La dernière fois que les pillards nous ont attaqués, ma fille Marie a essayé de leur tenir tête. Maintenant, elle est enterrée derrière la maison. Elle avait que 21 ans, et ils l'ont abattue sans se poser de questions. C'est pour ça qu'on a besoin des miliciens, et le plus tôt sera le mieux. Les miliciens? Qu'est-ce que c'est? Elle l'a cherché. C'est affreux. Il n'y a rien de pire que de perdre son enfant, croyez-moi. Je sais de quoi je parle. Mes condoléances pour votre fille, monsieur. On n'a pas l'air quand même rassurant avec notre casque. Les pillards qui ont tué Marie lui ont pris son médaillon. Oh, Preston a aimé mes actions. Oh, c'est trop mignon. Vous en serez très reconnaissant si vous pouviez nous le rapporter. Où dois-je aller? D'où ils viennent? Oui, je crois. L'un d'eux a parlé d'Olivia quand ils étaient là. À mon avis, ils se terrent dans l'ancienne base de l'armée de l'air.
Preston a adoré, mais putain, il me kiffe. Alors, encore une mini-quête. Bah, je trouve ça carrément plus sympa, ce style de mini-quête. Hein. Moi, je vous l'avoue. Est-ce qu'on peut prendre des trucs? Non, ça serait du vol. Donc on ne peut pas. Nous ne sommes pas comme dans Divinity. Où on peut se permettre de tout voler. Je crois qu'il faudrait que je me cache, en fait. Mais bon, je vais pas le faire. On a déjà plein d'axes de partout. Ah, moi, je peux en récolter. Voilà, très bien. Voyons voir les missions, les kites, hein, représailles. Ok, je vais mettre ça. Et représailles, c'est où? Merde. C'est où, représailles? Ah, c'est là. D'accord. C'est pas grave. On va d'abord là-bas. Attends, on tombe sur des quêtes, mais partout. Mais c'est bien au moins, parce que si on veut tracer notre route sur l'histoire principale, on la trace, quoi. Et du coup, on n'est pas pollué par les mini-quêtes. À la rigueur, les quêtes que je ne connais pas, elles ne me dérangent pas. Alors, il y avait les mercenaires aussi qui étaient... qui se baladaient, je sais plus où. Un pont. Vas-y, on coupe. C'est par là-bas. C'est par là-bas. Oh, la petite maison. Étang de Walden. Vas-y, je vais faire plus de sauvegarde, parce que ça m'énerve de recharger à chaque fois. Si je me fais buter. Ouh, ça sent la zone ici. Ça pue la mort. Oh, d'accord. Ça pue la mort. Visite. Bonjour automatique. Et bienvenue à l'étang de Veste d'hiver et jean. Vous vous trouvez actuellement devant la cabane dans laquelle l'écrivain transcendantaliste Henry David Thoreau a vécu à partir de 1845. J'entends des tirs, je suis pas fou. Qu'est-ce que nous avons là? C'est quoi ces trucs, putain? Mais c'est effrayant, putain. Ah putain! J'en étais sûr, c'est un putain de piège, putain, j'en étais sûr. Fils de pute. Ok, faut que je fasse gaffe, il y a des pièges. Couteau de combat. Note à l'attention de Twiz. Twiz, si tu lis ça, tu es un imbécile. C'est la dernière fois que je te le dis. On verrouille cette porte. Utilise l'entrée dans la conduite d'égout. La prochaine fois que tu oublies, je t'enferme définitivement dehors. Walter. Et je vais prendre ça. Oh, sous-sol de la boutique des souvenirs. Sauf que je peux pas encore entrer, il faut être maître. Je ne peux pas crocheter ça. Putain, faut que j'y retourne au niveau 18. Intéressant. Petite maison. Épingle à cheveux, très bien. Pourquoi ça te pose un problème? Ok. Allez, on se casse. Oh putain! S'il vous plaît, on peut trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous en supplie, aidez-moi, ils vont me tuer. Tiens,
gueule. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette chose est un synthétique. Voilà ce qui se passe. Ça fait des semaines qu'on voyage avec lui sans se douter de rien. Mais voilà qu'aujourd'hui, il nous lâche que c'est un larbin de l'Institut. Il se fout de nous depuis le début. C'est parce que je croyais qu'on était amis. Je serais jamais ami avec un putain de synthétique. Pourtant, ça te posait aucun problème. Avant que je te dise ce que je suis vraiment. Mais c'est comme dans Alien. Laisse-moi partir. Tu me prends pour un con? Tu vas rentrer au bercail et revenir avec tes petits copains de l'Institut pour nous faire la peau. Tu mourras pas comme ça, mon pote. Je n'ai rien à voir avec l'Institut. Je me suis enfui. Tout ce que je veux, c'est aller à Bunker Hill. Je te promets que tu me reverras plus jamais après ça. S'il vous plaît. Vous me croyez, vous, non? Vous pouvez pas le laisser faire ça. Ça ne plairait pas à l'Institut. Libérez-les ou je vous tue, d'accord. Il ne vous a rien fait. Réfléchissez un peu. S'il voulait vous faire du mal, il l'aurait fait depuis longtemps, non? Peut-être qu'il attendait juste le bon moment. Merde. Je sais pas, et je m'en fous. Cette abomination doit mourir, point barre. Libérez-le ou je vous tue. Vous n'avez rien à craindre de l'Institut. Laissez-le partir, ou je vous tue tous les deux. C'est ce qu'on va voir. Oh putain! Merde! Eh ben écoute... les yeux, voilà. Oh putain! Oh putain, faut que je me... faut que je me casse. Faut que je me planque. Ah, j'étais pile en face. Putain, où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas. Là, derrière, là-bas. Putain, t'es là, salope. Putain, elle est costaud. Ah, putain. Ah, là, il y a du combat, là. Tiens, je te vois, je te vois. La tête, là. Coup critique, putain, je peux pas le faire. Putain. Ah, on va faire ça sans le SVAV parce que merde. Voilà, zut. Il est où? Il est là. Merde. Putain, j'ai gaspillé tous mes Steam Packs. Il est où? Il est où? Ça y est, on l'a buté. Hey, indiquez-moi ça. Il vous faut quelque chose? Non, 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 non. Je voulais avoir ton opinion sur la situation. Il est où? On l'a buté? Où est son cadavre? Là, c'est la meuf. Voilà, que je fous à poil. Ouais, ouais. Mais elle était propre sur elle et tout. Hein. Putain, c'est pas la fin du monde. Putain, t'es où? Où est son cadavre, putain? Putain, c'est... Y a pas un bouton pour afficher... Ah putain, il était là. Goudrel. Et voilà, je t'ai foutu à poil. Bon, où est le mec qu'on a sauvé? Ah, il a fui. Il a fui ou il s'est fait buter? Bon, bah écoute. Tant pis. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Ah, c'est dommage, on voit pas où sont passés les trucs. Alors, est-ce qu'on se rapproche? Il est là! Salut. Oh Dieu. Ils sont morts. À vous de mourir.
Je regrette. Mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Je comprends. C'est juste que... j'aurais aimé que ça finisse autrement. Tenez, j'aimerais vous donner ceci. Vous m'avez sauvé la vie, après tout. Il faut que je parte d'ici. Donc toi, t'es un robot, toi. C'est tout ? Salut. Bunker Hill. Il faut juste que j'arrive à Bunker Hill. Oh putain, oui, c'est une machine. C'est une machine. Surveille-le, Preston. Je le sens pas, ce robot. Alors, je dirais qu'on commence, on doit commencer à se rapprocher. On n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Tout est assez proche, et même si c'est un peu loin, il y a quand même plein de choses entre, entre les deux. Et au pire, il y a les déplacements rapides. On va voir cette baraque là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bière. Fusible. Vous pouvez avoir vos raisons. Mais pour moi, c'est juste pour acheter. D'accord. Oui, j'ai mes raisons. J'aime bien les fusibles. Et, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ferme de Grey Garden. Encore des PNJ ! Y'en a plein. Oh putain, il aime les petits chats. Inaccessible. C'est cassé. Boston Bagel roulé. Crame. Macaroni Blanco. Ils aiment bien les macaronis, hein. Ah, ventilateur. Petit ventilateur. Je fouine un peu parce que si jamais je tombe sur des figurines ou des trucs de genre, c'est cool là. Plateau télé, un crayon. Un autre stylo. Une cuillère à soupe en argent. On va voir l'étage. Là on ressort. Et on peut descendre, je crois. Expert, je peux le faire. J'ai le niveau. Très bien. Ouais. Il va y avoir quelqu'un là-dedans. Je sais pas ce que ça nous apporte. Je préfère faire gaffe. Épingle à cheveux, très bien. Clé à molette. Une pommade. Loupe est là. Plateau chirurgical. Il y a des documents. D'accord. Oula, un problème de clé. Tube à essai, support à anneau. Support tube à essai. Cellule à fusion. Ah, très bien. Très très bien. Atelier de chimie fabriqué. Oh putain, c'est pour se fabriquer des drogues. Ah mais on pourrait se fabriquer des steampunk, mission pistolet. Qu'il y a quelque chose qui vaut le coup. Qu'est-ce qu'il me faut pour les... Bah, on aura peut-être plus de chance la prochaine fois. Toutes les radiations, bon... Ah oui, d'accord. Antiseptique, ah, je n'en ai pas.
attaquer. Nous ne sommes pas encore prêts. Steampack, très bien. Une ventouse, très bien. Allez, on se casse. Ah, il y a un truc là. Comme miracle. Je vais monter à l'étage. Ah, il y a une porte qui est ouverture impossible. C'est coincé. Peut-être par un autre chemin. Vas-y, on ressort. On ressort. C'est sympa de ressortir. Ah, nous sommes sur le toit. On va peut-être trouver des choses. Oui, des water. J'ai une envie. Mais pourquoi tu me suis? Je peux avoir un petit peu d'intimité. Ah, ça doit être là que la porte mène et que c'est bloqué, peut-être, je suppose. Donc, reprenons notre quête principale. Personne. Il n'y a personne. Nous pouvons progresser. Écoutez la fréquence militaire AF95. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je fais une sauvegarde. Répétition automatique du message. Ici le scribe Hélène de l'escouade de reconnaissance Gladius. Appel à toutes les unités à portée de transmission. Autorisation Arx, Vérum, 9, 5. Notre unité a subi des pertes et nous avons besoin de ravitaillement. Demandons renfort ou évacuation immédiate. Position commissariat de Cambridge. Commissariat de Cambridge. Ah, je vois l'icône. Oui, ta gueule. C'est où? Il est où le commissariat? J'ai vu l'icône. Ah, ça doit être par là. Bon, je la vois là sur ma carte. T'es qui toi? Ah, c'est toujours le même mec. Eh, putain, il y va, mais tranquille le mec. Il profite du paysage. Personne l'attaque, personne l'emmerde. Ah, très bien, très bien. Ça va? Tout se passe bien? Eh ben, dis donc. Costume beige pro. Ok. Ok, y a rien. On y sera avant toi. Là, il y a plusieurs abris anti-atomiques. Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps d'y aller. Reste mobile. Ah merde, ça marche pas. Blues Voltex, non. Allez, nous rattrape, on y sera avant toi. Ah, c'est là, putain, faut que je traverse cette merde. Oh, c'est joli. Eh oui, alors du coup, Diamond City, c'est par là-bas. D'accord. La brasserie Pinta. Vas-y, on va rentrer. Et donc, il doit faire de la bière. À tous les coups.
Oula, oula, c'est glauque quand même, hein. Terminal. Sur la visite de la brasserie, non, ok. Sur l'ensemble des installations. D'accord. Ok, on s'en fout. Ah, j'avais pas des journaux à lire, moi. Comment je fais pour les lire? Charger l'holoband. Atomic Command. Oh, j'ai reçu un message sur ma Xbox. Ah, c'est encore un mini-jeu. C'est un mini-jeu, c'est trop rigolo. Je peux le détruire cet avion. Ok, super. Yes. Éjecter l'holoband. Charger l'holoband. Holoband d'Emma, donc ça c'était ma meuf. Josh. Je suis rentré hier avec Emma. Tout le monde a disparu. On dirait qu'ils ont filé sans demander leur reste et qu'il y a eu du grabuge. Il y a des cadavres de ghouls sauvages dans tous les coins. Emma et moi avons essayé de découvrir où ils sont partis, mais on n'a rien trouvé. Sauf le corps d'Anthony. D'accord. Et je vais lire les autres pour voir. Excusez-moi, hein, c'est un peu chiant, mais c'est pour comprendre. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Josh? Ça fait plus d'une heure qu'il est parti, il faut qu'on se tire le plus vite possible. Les autres doivent croire qu'on est déjà à Concorde. Si Josh se grouille, on arrivera peut-être à l'heure. Merde, des coups de feu, c'est pas bon signe. Josh! Oh, ils sont morts. Journal, sergent Michael Daly. Ah oui, salut Trésor. Salut Trésor, c'était notre Michael Daly, sergent chef de l'armée de terre des États-Unis d'Amérique. Samedi dernier, le 23 octobre. Alors que nous étions en route vers Stockbridge West, notre vertiptère s'est écrasé sur le toit de ce musée. Ah, c'est le vertiptère, d'accord, ok. On a récupéré l'armure. J'ai pigé. Attendez, il y a quelque chose dans les parages. Ah, voilà. Mon bras. Merde. Je le tire. Pierre crasseux, oui, donc on a bien fait. Ah putain, ah bah oui, il faut tous les tuer, c'est ça la mission. Voilà, t'as raison. Ah putain, on les a tous réveillés là. Oh putain. Y'a quoi là? Boule de bowling. Ah, c'est pour jouer au bowling. Est-ce que je peux y jouer? Arme. Je l'ai pas là. Non. Oh. Je coupe la radio. C'est quoi tout ce bouquin? Si je me cache. Oh putain, il y a un mec. Il est là. C'est moi. Il est une armure, c'est pas génial. Oula. Vas-y, on chacun un couvert. Vas-y, sors de ta cachette. Ah putain, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis planté. Putain, mais à chaque fois. Merde, loupé. Touché. Putain, je l'ai bien explosé. Ouais, je préfère carrément mitrailler avec Preston. Lui, au moins, il fout pas le bordel, putain. Ah merde, ça y est, je suis trop chargé. Merde, je fous la merde. Boum!
Boum. Et vous? Faudrait que je me décharge de merde. Ou alors faut que je le file à Preston. Vas-y, je vais te filer des trucs. Ah, c'est stocké. C'est stocké sur moi ou... Ah non, ça se met... On a un entrepôt? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça se stocke automatiquement à l'autre bout de la carte? Sûrement. Sûrement. Allez, je mets les, tous les trucs. Voilà. Ça, je me le vire. Ça, je vire. Voilà, ça, je vire. Voilà, je me vire tous les trucs. Les mines, je m'en fous. Allez, le minigun, mitraillette. Nourriture moisie, voilà. Restons en cuir, poche de sang. Je me vire tous ces trucs là. On va se faire de la place. Ça, je garde. Ça, je renvoie là-bas. Ça, j'envoie là-bas. Tatou tabou. Ventilateur ventouse. Voilà, tous ces trucs. J'avais pas besoin. Ah non, je lui file. D'accord. Ok, il est full. Merde, où ils sont? Ah ok, ça va sur lui, d'accord. Je croyais que ça allait là-bas. Mais ça me paraît plus logique. Hein. Oh, mais t'es là, toi. Je veux un coup critique. Hé, touché. Voilà. Bon, c'est carrément plus cool de se battre avec lui en fait. C'est Cotsworth qui nous foutait la merde. Putain. C'est lui qui foutait le bordel. Wow. Voilà, je désamorce le piège, voilà. Ascenseur, là, je prends. On se balade. Ok, on a oublié notre pote, c'est pas grave. Il va nous rejoindre automatiquement, je pense. Ok, j'en étais sûr. Fusil de chasse, plastron de pillage. Ah, ok, ventilateur, je le prends. Il paraît que ça vaut un paquet de capsules. Et son terminal. Ah merde, les mots de passe. Vas-y, je sors. Je sauvegarde. Et boum. Les mots de passe. Allez voir si je vais comprendre cette fois. Alors, help. Vas-y, je prends ça. Similarité, 0. Forme. Ok. Told. Non, franchement, je comprends pas. Il y a un mec qui m'a dit qu'il suffisait de quitter et de revenir pour que les chances reviennent.
que ça marche, ça? Ah oui, ça marche. Eh, mais ça change tout le temps, d'accord. Eric. Accès refusé. Similarité 1. Dark. D'accord. Donc du coup... Du coup, ça nous ferait... Putain, mais je comprends rien au système de similarité. Ça veut dire quoi? C'est les lettres ou c'est quoi? C'est une association de deux lettres à la suite? Dark, similarité égale 1. Je comprends pas. Ce serait le R, du coup. Donc, ça serait reste. Ah bah non, il n'y a pas de... Ruine. Non, c'est pas ça. Je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire que ce système-là? Alors là, je suis vraiment curieux, quoi. Je suis quand même pas idiot, mais là, c'est obscur. Ok. Ouais, je fais au pif, parce que... Hein, je m'en prends 3. Ok, 0. Similarité. Je sais pas, je comprends rien. Oui, t'as raison. Soap. Et voilà. Eh ben voilà. la panade. Le gang devient difficile à contrôler. Il reste un paquet de bière, mais on commence à manquer de bouffe. J'ai envoyé Sparta et son équipe au Battle pour voir s'ils pouvaient y trouver quelque chose. Mais les gars vont commencer à se barrer si on met pas rapidement la main sur des trucs à manger. Les provisions les plus proches, c'est la réserve fédérale de rations. Mais on dirait que les parents de Lily et Red Twat l'auront pas appris à partager. Si on n'a pas bientôt des nouvelles de Sparta, il va falloir qu'on passe à l'action. Grosse connerie. On a tenté de prendre la réserve d'assaut, mais Lily, Red et leur bande se sont accrochés comme des tiques. Ils ont buté la moitié de notre gang avant qu'on puisse se tirer, Drake et Crochet. On réussit à choper quelques otages. On pourra peut-être les échanger contre des boîtes de biscuits. Au moins, ça nous fait quelques bouches en moins à nourrir. D'accord. Lily, c'est cette pétasse de Lily. Comment oublier sa gueule? Drake a monté les otages du Red dans ma pièce et dès que je l'ai vu... J'ai su qu'on était sauvés. Maintenant, Red va bien être obligé de négocier avec nous, à moins qu'elle préfère récupérer sa sœur en petits morceaux. Oh, les salauds. J'avais jamais vu autant de nourriture quand je lui ai dit qu'on avait sa sœur. Red m'a pris pour un mytho, mais une lettre de sa frangine lui a remis les points sur les i. Maintenant, il pleut des caisses de bouffe, et des recrues aussi. À ce rythme, on va pouvoir se faire Corvega ou le lycée des BR pour la fin de l'année. Ah, merde. Comment elle a pu se libérer? J'avais pourtant enchaîné cette salope au sol. J'étais à moitié endormi quand elle s'est jetée sur moi. J'ai voulu viser sa jambe. Maintenant, il y a du sang partout. Faut que je nettoie ce merdier et que je me débarrasse du corps. Faut pas que ça se sache. Red nous donnera plus rien si elle sait que sa sœur est morte. Ah merde, ils ont tué sa sœur. Aujourd'hui, on a entendu parler d'une caravane chargée à Rabor. Tout le gang y est allé pour la braquer. Sauf qu'elle s'est jamais pointée parce qu'elle n'existait pas. Pendant qu'ils étaient tous partis, j'ai planqué le cadavre de Lily dans une des cuves. Comme ça, elle donnera du goût. Un problème de régler. Oh, l'enfoiré. Mais ce gang est foutu si on perd notre source de bouffe. Ça veut dire que je vais devoir envoyer des lettres à la place de Lily. Il va me falloir plus de stylos. Ah, c'est marrant. Corvega, on dirait que quelqu'un a buté Jared. Et... J'aimais pas beaucoup scammer, mais il était pas du genre à se laisser faire. Il va nous falloir des armes. Et ouais, c'est moi. Bon, allez, les petits gars. On continuera la prochaine fois. Oh, il y a un petit coffre. Ah, il y a un petit coffre-fort. Ah oui, on m'avait dit qu'il y avait le coffre-fort de Jared aussi. D'accord, on va voir s'il y a des choses intéressantes. Ah oui, doucement. Il faut aller doucement, comme un petit oiseau. Pas comme ça. Donc c'est de l'autre côté.
Non, c'est là. C'est là, je la sens bien, ouais. Génial. Arme de fortune, pistolet, cartouche, cartouche. Ouais, c'est pas génial. Ce n'est pas génial. Recette de la Gwyneth Brew. Bon allez, les petits gars, voilà, on va se continuer ce camp de pillard la prochaine fois. Allez, les bisous, à la prochaine. Ciao.